La Turquie voit s'envoler sa participation au programme d'avions furtifs F-35. En s'équipant de systèmes de défense antiaérienne russe S-400, Ankara provoque la colère des États-Unis, mais surtout son inquiétude de voir ses secrets technologiques mis à jour par les Russes. L'achat par la Turquie du S-400 n'est pas conforme à ses engagements envers l'OTAN et aura un impact négatif sur l'interopérabilité de la Turquie avec l'Alliance. Indépendamment de la décision de la Turquie de procéder à l'acquisition du système russe, le partenariat international de F-35 est fort et résistant. Ankara, immédiatement critiquée, une décision injuste, unilatérale et qui ne respecte pas l'esprit de l'Alliance Atlantique, elle n'est pas non plus basée sur des raisons légitimes, estime le ministre turc des Affaires étrangères. Mais pas question pour les États-Unis de se mettre à dos cet allié clé de l'OTAN. Le président Trump s'est bien gardé de critiquer cette décision. Concrètement, cette exclusion signifie l'expulsion des pilotes turcs s'entraînant actuellement aux États-Unis sur le F-35 et l'annulation de la livraison d'appareils déjà achetés par la Turquie.